Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je parle plus spécifiquement du rôle des kinés qui interviennent notamment en EHPAD ou dans d'autres établissements dans lesquels vivent des personnes âgées à risque de chute. Et pour construire cette vidéo, je m'appuie avant tout sur mon expérience de kiné parce que depuis 2012 que je suis diplômée, j'ai travaillé en tant que kiné salariée dans beaucoup d'EHPAD, dans des services aussi de court séjour gériatrique où vont les personnes notamment après une chute un temps, avant d'aller de rentrer chez elle ou d'aller en centre de rééducation, où j'ai aussi d'ailleurs travaillé, des SSR plutôt à orientation gériatrique, donc avec des personnes âgées. Et puis depuis 4 ans, j'ai quitté le salariat pour travailler en kiné libéral. J'interviens au domicile, donc notamment des personnes âgées, et j'internais aussi en EHPAD, en libéral. Donc je pense avoir un peu un aperçu de ce qu'il est possible de faire en tant que kiné dans ce type de structure, des attentes aussi des professionnels qui sont en place, qui sont parfois un peu en contradiction avec ce qu'on sait qui peut être efficace en tant que kiné. Et puis, je m'appuie aussi donc justement sur les recherches que j'ai faites dans la littérature médicale internationale pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que kiné. Est-ce qu'on peut vraiment prévenir le risque de chute ou est-ce qu'on n'est pas là que pour, entre guillemets, limiter la casse, ce qui est déjà pas mal. Comment aussi, bien sûr, essayer de prendre en compte au mieux l'opinion, l'avis des personnes qui bénéficient de ces séances de kiné et qui ont parfois pas forcément envie d'avoir des séances de kiné. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu mon expérience à ce sujet. Alors déjà, pourquoi les personnes âgées tombent souvent? C'est qu'il y a des changements physiologiques, hein, et environnementaux. Avec l'âge, on y est tous sujets. Nos cellules, nos gènes, nos tissus, nos molécules vieillissent. Et ça va engendrer différentes conséquences. Pour le coup, pas mal de gens savent qu'avec les années, par exemple, on a de l'arthrose et des douleurs, mais moins de personnes sont au courant que le vieillissement entraîne aussi des problèmes d'équilibre, quoi qu'on fasse, parce que nos mécanismes, nos récepteurs qui sont à différents endroits du corps, fonctionnent moins bien. Notre vue aussi fonctionne moins bien et tout ça, c'est des facteurs de risque de chute. Je vais justement y revenir. Il y a des facteurs de risque de chute qui ont été identifiés justement chez les personnes âgées, c'est-à-dire que les personnes qui ont ces caractéristiques-là sont plus à même de chuter dans les années qui suivent. C'est par exemple le fait d'avoir une moins bonne vue, d'avoir des problèmes cognitifs, typiquement là, des problèmes de mémoire, des troubles de l'attention, le fait d'avoir aussi déjà chuté au cours de l'année passée. Le fait d'avoir une marche moins rapide, le fait de prendre plus de 4 médicaments et le fait d'avoir de l'hypotension orthostatique. C'est le fait que quand on se lève, notre tension chute trop. Et donc en fait, ce qu'on s'est dit, ce qui est légitime, hein, c'est que peut-être qu'en jouant sur ces différentes choses, par exemple en corrigeant la vue, en apprenant à marcher plus vite, eh bien on allait diminuer le risque de chute. Et donc il y a des études qui ont été menées pour voir si ce que la théorie nous dit, c'est-à-dire que vu que les gens qui marchent moins vite, eh bien chutent plus, si on les fait marcher plus vite, est-ce qu'ils chutent moins? Voilà, il y a des études en fait menées sur des populations, surtout de gens justement en institution, parce que c'est plus facile de faire des études dans cette population-là, et eh bien qui nous disent voilà ce qu'il en est. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur les études qui portent justement sur les activités kinés, notamment qui visent à l'augmentation de la vitesse de marche ou les exercices d'équilibre, parce que c'est ce que je connais le mieux en tant que kiné. Et donc je vais vous relater les résultats de ces études-là, en sachant aussi qu'on peut évaluer, bilanter, évaluer de manière plus ou moins objective ce risque de chute. Il y a plein plein de tests qui ont été faits et qu'on utilise parfois entre kinés, le test de Timetti, le time up and go. Je vous ai les listés dans l'article si ça vous intéresse. Ces tests, selon moi, sont plus faits pour les personnes qui font des études cliniques et qui, elles, ont vraiment besoin d'objectiver sur des grands groupes de population ce qu'elles font. Personnellement, même si je les utilisais beaucoup au début de ma pratique, j'ai fini par ne plus du tout les utiliser parce que je trouve que finalement, ça ne nous donne pas de piste derrière sur quoi faire. Je préfère, en fait, quand, et c'est normal, les établissements de santé demandent souvent qu'on objective, qu'on laisse des traces, des bilans de ce qu'on fait, parce que je comprends pourquoi ils demandent ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais plutôt des bilans fonctionnels sur la personne, c'est-à-dire que j'allais dire, par exemple, est-ce que la personne est encore capable de se relever en autonomie, sans aucune aide physique d'une personne? Est-ce qu'elle doit le faire pour se relever d'un fauteuil, par exemple, sous guidage verbal? Est-ce qu'elle doit le faire avec une petite aide d'une personne? Est-ce que cette personne est capable de se déplacer en sécurité dans l'enceinte de sa chambre?
est-ce qu'elle est capable de se retourner dans son lit? Je trouve que de préciser ces éléments-là sont plus intéressants que d'aller donner, par exemple, un score au test de Tinetti ou d'aller donner une durée du test Time Up and Go. En tout cas, voilà, pour les kinésithérapeutes qui interviennent dans les EHPAD. Je trouve ça plus intéressant à titre personnel. Donc, déjà, que disent les études sur l'efficacité des interventions en kiné ou des interventions qui visent simplement à faire bouger plus les gens? Et est-ce qu'on a une idée des exercices plus utiles à réaliser? Alors, je vais vous montrer une petite infographie qui, je trouve, récapitule bien les choses. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce sont les gens qui font de l'exercice physique régulier, je vais vous dire ce qu'on met derrière ça, qui sont moins à risque de chute que les autres. Mais c'est un tout petit effet. Par exemple, en fait, sur un échantillon de 1000 personnes âgées de plus de 65 ans, si on les suit durant un an, ces 1000 personnes, eh bien, 850 chutes surviendront chez les personnes qui ne font pas d'exercice physique et seulement, entre guillemets, 655 chutes surviendront si elles pratiquent l'exercice physique, soit un quart en moins. On parle en nombre de chutes et pas en nombre de personnes qui font des chutes parce que les gens chutent souvent plusieurs fois par an. Donc, vous voyez que c'est un effet au niveau de la population. Maintenant, c'est très dur de savoir si une intervention d'un kiné va vraiment permettre individuellement de diminuer le risque de chute. C'est pour ça que le nombre de chutes dans l'année, c'est pas quelque chose que je quantifiais, parce que de toute façon, comme on intervient ponctuellement en tant que kiné, c'est très difficile d'avoir une traçabilité là-dessus. Voilà un peu pour les effets de l'exercice physique. Alors justement, c'est les effets de l'exercice physique. On ne sait pas d'ailleurs, c'est difficile de contrôler si finalement ces personnes chutent moins parce qu'elles font de l'exercice physique ou parce qu'elles font l'activité physique, parce que justement leur santé est meilleure et qu'elles peuvent se permettre de faire l'activité physique. Même si dans les études on essaie de contrôler ces facteurs de confusion-là, c'est difficile d'objectiver ça. C'est pour ça que personnellement, pour moi, notre action en tant que kiné, je pensais pas pouvoir vraiment prévenir le risque de chute. Par contre, j'étais là pour répondre à des problématiques, souvent à la demande des patients et des patientes ou de leur famille, des problématiques précises. Par exemple, je constate que ma mère n'arrive plus à se relever, j'ai du mal à la faire relever du fauteuil, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai eu des personnes tout simplement qui avaient envie de continuer à marcher, qui n'arrivaient pas à le faire en autonomie, en sécurité seule. Pour moi, c'est déjà un grand pas si en tant que kiné, on apporte cette aide-là et c'est difficile d'aller plus loin que ça. Même en faisant les meilleurs exercices d'équilibre possibles, arriver vraiment à diminuer significativement à l'échelle d'une personne le risque de chute, c'est assez ambitieux. Et voilà, c'est mon message aussi pour les personnes qui travaillent dans les EHPAD. Eh bien, je ne pense pas qu'on puisse attendre des kinés. En tout cas, c'est pas ce que nos connaissances laissent penser. Alors, quels exercices justement physiques sont les plus susceptibles de marcher? Quelle quantité? Ce qu'on constate en général, c'est quand même un volume d'activité physique dans la semaine assez élevé. Donc, notamment, des exercices pratiqués au moins 3 fois par semaine et pendant 30 minutes à 1 heure, en privilégiant les exercices qui sollicitent l'équilibre ou la force musculaire et pas seulement, par exemple, de la marche qui sollicite uniquement le système cardiovasculaire, mais pas spécifiquement la force musculaire ou l'équilibre. Par contre, il n'y a pas un ou deux exercices plus importants à faire que d'autres, c'est tout simplement le fait de bouger en sollicitant sa force musculaire et ses capacités d'équilibre. Peu importe aussi si on le fait de manière encadrée ou non, mais trop souvent, quand on est une personne âgée à risque de chute, eh bien, on a besoin d'être encadré et supervisé pour arriver à mettre ça en place, et c'est d'où le rôle des kinés, ergothérapeutes, APA et autres professionnels qui interviennent dans les EHPAD ou les autres établissements. Voilà en gros pour ce que je voulais vous dire. Aussi, je sais que j'ai eu parfois des demandes justement de kinés qui...
Alors, il y a aussi d'autres mesures qui peuvent être prises pour limiter au mieux le risque de chute. Pareil, c'est difficile d'objectiver au niveau individuel, en tout cas, l'efficacité de ces mesures, mais c'est souvent du bon sens et les kinés sont là aussi pour identifier ça. Donc, aménager par exemple l'habitat, enlever des tapis, bien sûr avec l'accord hein, des personnes. Pour moi, quand j'intervenais, si la personne n'avait pas de gros troubles cognitifs et qu'elle n'avait vraiment pas envie d'enlever ses tapis, et ben, moi, je respecte tout à fait son choix. Voilà, par rapport aussi à l'incertitude d'efficacité, pour moi, c'est plus important de respecter le choix des personnes que voilà, les principes généraux. Donc, avoir un éclairage adapté, avoir des barres de redressement, corriger les problèmes de vision, corriger les plantations, notamment en portant des bas ou des chaussettes de contention, en donnant le conseil de se relever plus doucement, réexaminer régulièrement l'intérêt de chaque médicament. Notamment, moi, j'encourageais les familles de mes patients et patientes à réaborder ce sujet-là avec leur médecin traitant. Il y a des services aussi de court séjour gériatrique qui, quand une personne arrive, par exemple, suite à une chute, bah, réajuste le traitement médical pour essayer de limiter, parce qu'on sait que le fait de prendre beaucoup de médicaments augmente le risque de chute et d'autres problématiques. Et c'est vrai que des fois, moi, j'ai pu constater que quand les gens rentrent à la maison, la famille ou la personne reprend son traitement donné par le médecin traitant, beaucoup plus important. Alors que voilà, c'est plutôt recommandé d'essayer, bien sûr, avec le retour, bien sûr, d'un médecin, d'essayer de diminuer le nombre de médicaments pris. Et enfin, bah, encourager l'activité physique, l'exposition au soleil, l'apport alimentaire suffisant en calcium, la diminution de consommation de tabac et d'alcool, encourager aussi les relations sociales, parce qu'on sait que c'est un facteur, un déterminant important de la qualité de vie tout au long de l'année. Donc, trouver, proposer par exemple... Alors, pour résumer, que vous soyez vous-même une personne à risque de chute, que vous regardiez cette vidéo pour votre entourage, votre maman, votre papa, ou que vous soyez un kiné qui intervient en gériatrie, ce qu'on sait en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est que effectivement le fait, les personnes qui font de l'exercice physique régulier, c'est-à-dire au moins 30 minutes à une heure, 2 à 3 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, sont moins susceptibles de chuter souvent dans l'année que les personnes qui ne font pas d'exercice physique, que les kinésithérapeutes bah, font partie des professionnels de santé qui peuvent intervenir dans les établissements ou au domicile des personnes pour aider à mettre en place cette activité physique-là, pour la superviser, l'encadrer, si la personne n'est pas en mesure de faire ça par elle-même, si la famille n'est pas là aussi pour accompagner là-dedans. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, des remarques, des infos complémentaires, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous invite aussi à rejoindre la newsletter Hebdo. Vous trouverez le lien ci-dessous où j'en profite pour partager tous les mercredis soirs d'autres informations sur la santé et comment analyser aussi la qualité de l'information en santé. À bientôt!